Je fais une petite vidéo rapide parce que je dois aller bosser là. Souvenez-vous du film sur la famille Traoré qui s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent et qui compte d'un point de vue extrême gauchiste l'histoire des Traoré, comme quoi ils sont persécutés mais que la révolution est en marche, etc. Bon, en vrai, c'est la mise en scène de la bande-annonce, on dirait vraiment un truc de ouf. Non, en vrai, c'est de la merde. En tout cas, voilà, j'avais parlé de ce film et j'avais dit, oh là là, je suis sûr que ça va bider et tout. Je mettrai le lien en commentaire et en description de la vidéo si vous voulez voir la bande-annonce de tout ça. Et du coup, on a des nouvelles. Immense flop pour la sortie du film de Camilla Jordana inspiré de l'affaire Adama Traoré. 2150 entrées, 18 spectateurs en moyenne par salle pour un budget de 2,5 millions d'euros, dont 900 000 d'argent public. Il y a 1 million de subventionnés par le CNC et le 1,5 million qui reste, je sais pas d'où il vient, mais il va être subventionné de quelque part aussi. Donc, il y a 2 millions d'euros qui ont été payés par vos impôts, les copains, pour faire un film sur la famille Traoré qui a fait 18 spectateurs en moyenne. Je rigole, mais c'est horrible, quoi, genre. On n'a plus de thunes, c'est l'inflation, c'est la crise et tout, et on te passe 2 millions pour faire des films de merde sur des familles de délinquants multirécidivistes qui bident parce que tout le monde s'en fout. Vraiment, c'est insupportable. Hein. C'est insupportable. On va regarder les réactions. Parce que du coup, il n'y a pas plus d'infos que ça dans l'article. Hein. Ils relaient leur propre tweet. Tu m'étonnes, c'est une serpillière chanteuse et comédienne, l'exil est belge. Je m'étonne qu'on lui donne encore des rôles. Juste retour de bâton. En vrai, je m'en fous que le film bide. Moi, ce qui me saoule, c'est les 2 millions, quoi. On pourrait être tellement moins taxé s'il n'y avait pas des milliards, des milliards. Ça, imaginez 2 millions par film. 2 millions comme ça. Imaginez tout ce qui est fait en France. Il y a des milliards qui sont payés par nos impôts. Ça m'insupporte, alors qu'on n'a plus de thunes. On nous dit, oh, il nous manque 5 milliards pour les retraites. Il faut travailler 2 ans de plus. Mais les 5 milliards, je suis sûr que le CNC n'en donne plus que ça. C'est pas possible. C'est insupportable. Il y avait 20 000 personnes lors d'une manif interdite sous le slogan Justice pour Adama Traoré en juin 2020. Mais même parmi les soutiens de la famille, une infime minorité s'est déplacée pour voir le film. 2150 entrées alors que la production en a offert 5 000 pour booster la sortie. Attends, c'est vrai cette histoire? Comment peuvent-ils obtenir de l'argent public? Notre argent, on bosse pour ça, c'est vraiment une honte. Je ris jaune en pensant au pognon des contribuables qui a servi à financer une daube à la gloire des Traoré. Ce pays est à la ramasse. Je crois que les gens saturent et ils en ont assez. C'est bon signe, espérons. Quitte à voir des bandits, tu vas voir le Parrain ou Gomorrah, pas une merde comme celle-là. L'affaire Traoré, tout le monde en a ras-le-bol. La prochaine fois, utilisez votre argent personnel pour faire des choses plus intéressantes. Enfin, pourquoi on ne pourrait pas subventionner un film pour faire une histoire sur le policier qui a stoppé Naël, qui était sur le point de tuer 3 personnes. À votre avis, comment ça se passe? Est-ce qu'on pourrait faire un film subventionné par nos impôts qui nous parle d'Enzo, de Philippe, de Tristan, de Mélanie? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez. J'ai une playlist qui s'appelle La liste des victimes en France. Et je compte faire un récap en fin d'année de tous ceux qui nous ont quittés hein, au cours de l'année 2023. Donc il y a Alice, Bernard, Miloud, Wissam. Et bah évidemment il y avait Lola. Il n'y a pas un film subventionné pour faire un film sur l'histoire de Lola, non? Anthony, Fayed, Sébastien, Sokaina, Dominique. Non? On ne fait pas de film sur eux, subventionné par nos impôts? Ça me dérangerait moins. Parce que plutôt que de glorifier des criminels en puissance, on pourrait peut-être glorifier des victimes. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. Ça donnera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!